Ben, shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. En provenance de Divo, je parle maintenant en compétence pour Gagnoua. Gagnoua, j'ai un complexe hôtelier qui va s'ouvrir incessamment dans ces temps-ci. Voilà, donc pour nous c'est vraiment important, nous sommes en plein carrefour Lakota, en plein carrefour Lakota. Nous sommes devant le mausolée de Louga François. Nous sommes devant le mausolée de Louga François. Une pause, l'équipe fait une pause. Voilà. Une pause, nous sommes à Lakota. C'est clair, hein? Le mausolée. Voilà, France. Voilà, shalom, shalom, shalom. Comme je disais, le prophète Joël Crasso, pour nous avons pour lutte, c'est de lutter contre les forces des ténèbres et d'imposer le règne de Christ et tout ça. Surtout, c'est pour communiquer si cette histoire de Bessoura, dans un complexe à Bessoura. Le complexe hôtelier Blessoura qui s'ouvre très bientôt et surtout le mois prochain. Voilà, nous aurons l'occasion dans ce complexe, vous aurez tout sort de mets, les mets africains, les mets européens. Voilà, tous ceux de la diaspora, vous serez la bienvenue en Côte d'Ivoire parce que là, avec le centre de prière que nous avons déjà dans la région du département de Divo, principalement dans la préfecture de Iré. Voilà, donc vous aurez l'occasion de découvrir Bessoura. Bessoura, en même temps, en son sein, une agent de tourisme. Vous aurez l'occasion de découvrir toutes les belles plages de Côte d'Ivoire. On a la plage de Monogaga, on a aussi la plage de Haut-de-Digbé à San Pedro. On a aussi la plage de Bérébi. Voilà, donc on aura tout ça. Nous sommes en train de nous organiser par la grâce de Dieu. Dieu n'exclut pas les affaires. Voilà, donc Dieu est le homme des affaires. Il dit, quand vous lisez un peu Deutéronome 30, verset 9, il dit, je bénirai l'œuvre de ta main. Qu'est-ce que tu as pour que Dieu bénisse? Voilà. Et nous disons, pour tous ceux de la diaspora, il y a déjà un hôtel, un complexe hôtelier, un auberge, au niveau de Gagnoua, où venez, vous serez bien logé par la grâce de Dieu. Mais en même temps, j'en profite pour dire que la société chrétienne le mal de l'Afrique. Et ça, je ne cesse de le redire parce que nous combattons la sorcellerie. Pour nous, c'est le mal de l'Afrique, laisser la sorcellerie. Je mets tout mystique, tout sorcier au défi. Et retournez-vous directement à Christ, que Jésus-Christ peut vous délivrer. Tous les vautours, tous les maîtres féticheurs, si vous voulez, invitez-moi aussi une émission plateau télé ou radio pour qu'ensemble nous puissions comprendre qui est le véritable Dieu. Et surtout, moi, je suis convaincu que le Dieu que j'ai pris, le véritable Dieu, je vous montrerai qui la puissance qu'est en Jésus-Christ. J'en profite pour dire merci à Audrey Croissy depuis Londres, et surtout maman Elisabeth depuis Paris. Voilà, Elisabeth Louise, merci Louise. Louise depuis la France, Adèle depuis Lyon. Voilà, merci. Merci pour ceux qui nous soutiennent. Merci pour le combat. Merci pour tous ceux qui nous encadrent. Merci pour ceux qui soutiennent la brigade anti-sorcier. Merci pour ceux qui veulent voir la continuité. Je vous annonce que je suis occupé. Voilà, je suis fatigué de vos SMS, de dragage sur le net. Excusez-moi. Moi, je suis occupé. Le cœur, ça appartient déjà à quelqu'un. Ça ne peut pas se passager. Voilà, on ne peut pas aimer deux personnes. S'il vous plaît. J'aime. Voilà, donc très bientôt, tout sera. Elle me connaît. Je t'embrasse. Voilà, shalom.